c'est Néo. Je sais, Néo, mais aujourd'hui, tu es le candidat numéro 1. Et tu es ici pour passer ton oral de français pour le baccalauréat. Ouais, je sais, ça me saoule déjà assez, pas besoin de rajouter une couche. Je te demanderai de surveiller ton vocabulaire. Nihès, peux-tu s'il te plaît poser le cadre de cet oral? Oui, madame la directrice. Nous, jeunes adolescents résidant dans la maison d'accueil Seconde Chance, ou une prison, nous nous présentons aujourd'hui devant ce jury constitué d'un éducateur, d'un responsable de la structure et d'un candidat afin de passer notre oral de français pour le baccalauréat. Nous avons choisi d'un commun accord le thème de l'amour dans le théâtre classique. Nous nous appuierons sur nos connaissances vues en cours avec madame Lebar, cette sorcière, professeure de français, et sur nos propres expériences. Nos camarades se sont portés volontaires pour appuyer nos propos et les mettre en scène. Bon, les chefs, c'est super de manifester votre soutien à vos camarades, mais là, ce n'est vraiment pas le moment, ok? Ouais, ça, vous me pétez tout, là, cassez-vous! Vocabulaire, Néo! Hey, mais j'ai pas dit gros mots, là, après, vous prenez la tête! Tête! Ouais, c'est un oral et ça a commencé. Ça va, ça va bien se passer, c'est moi. Tenez-vous bon, Néo. À partir de quelle pièce as-tu décidé de présenter l'amour? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? C'est quoi ta pièce? Ah, ma pièce! Alors, Roméo et Juliette de William Shakespeare. Shakespeare. Ça va commencer. Samy, me pète pas tout, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fous avec une épée Jedi? Vas-y, Jedi. T'es un chevalier, vas-y, va chercher ton épée, Samy. Vas-y, à chaque fois tu me pètes mes délires, j'en ai marre. Il est pas fini dans sa tête, mais c'est bon. Porte-chapeau. Ah, Grégoire. Chaud. Ah, Kifesh, ça va. Et vous la connaissez ou pas? Tiferines. Ouais. J'adore. C'est mon bac. Léo. C'est bon, on commence. 3, 2, 1, action. Grégoire, sur ma parole, nous ne supporterons pas le brocard. Non, nous ne sommes pas des gens à supporter le brocard. Je veux dire que s'ils nous mettent en colère, nous allongeons le couteau. Oui, mais prends garde à quand t'allonges le couteau tard. Oh, 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 je frappe vite quand on m'émeut. Mais tu es lent à t'émouvoir. Un chien de la maison de Montal m'émeut. Qui est ému, remue. Qui est vaillant, tient ferme. Conséquemment, si tu es ému, tu lâches pied. Quand un chien de cette maison-là m'émeut, je tiens ferme. Je suis décidé à prendre du haut du pavé sur tous les montagnes. En ouvrant. Cela prouve que tu n'es qu'un faible drôle. Les faibles s'appuient toujours au mur. C'est vrai. Et voilà pourquoi les femmes étant les bases les plus faibles sont... Et voilà pourquoi les femmes étant les bases les plus faibles sont toujours adossées au mur. Et lorsque j'aurai affaire à mon taille, je repousserai les hommes du mur et j'y adosserai les femmes. Tu feras donc sauter toutes leurs têtes.
Peut-être, comprends la chose comme tu voudras. Celles-là la comprendront, elles la sentiront. Je la leur ferai sentir. Et l'on sait que je suis un joli morceau de chair. Stop, 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 stop. Bon, c'est pas mal tous les deux. Mais articulez, parlez plus fort. Et on dit mon dégueu bande d'un culte. Un culte. Oui. Toi, deux cultes, trois cultes. C'est pas grave. Il est fort heureux que tu ne sois pas poisson, tu aurais fait un pauvre merlan. Tire ton instrument, voici un de la maison des montagnes. Ah, mon instrument, il est là, voilà. Cherche sa querelle, je serai derrière toi. Oui, tu te tiendras derrière moi pour mieux déguerpir. Ne crains rien de moi. De toi, sinon, morbleu. Mettons la loi de notre côté et laissons-le commencer. Je vais froncer le sourcil en passant près de lui, et qu'il le prenne comme il le veut. Non, c'est-à-dire comme il n'osera. Je vais mordre mon pouce en le regardant et ce sera une disgrâce pour lui. Du moins, s'il le supporte. Oh, mais ça fait mal ce truc! Est-ce à mon intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Je mords mon pouce, monsieur. Est-ce à mon intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Il est sourd ou quoi? La loi est-elle de notre côté s'il dit oui? Non. Non, non. Alors, non, monsieur, ce n'est pas à votre attention que je mords mon pouce, monsieur. Mais je mords mon pouce, monsieur. Cherchez-vous une querelle, monsieur? Une querelle, monsieur? Non, monsieur. Si vous en cherchez une, sachez que je sers un maître aussi bon que le vôtre. Mais pas meilleur. Soit, monsieur. Épée, façon! Je le fais ici que maintenir la paix. Rengaine ton épée. L'épée à la main, tu parles de paix? Je vais ce mot comme je vais l'enfer. Tous les montagnes à... Montagnes ou Montaigu? Tenez mon pague, mon dégueu à toi et à toi, lâche! Ah! Oh, viens, oh, ma chaise! Pascal! Voilà! Tout le monde! Tout le monde! Bon, ça fait un peu ta friole, mais voilà quoi, il s'aime, il se bat, c'est la vie! Bien, rien de notre ami. Admis, trop balèze, j'ai trop kiffé quand l'autre il suce son pouce. Bon, pour ma part, moi je trouvais ça bien, mais je vois pas trop le rapport avec le thème de la mort. Je vois pas trop le rapport avec les tannis. Je manque de moi. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. L'amour, c'est un truc pour lequel il faut se battre ou un truc comme ça. Mais toi, je t'ai dit que c'est un truc pour le sortir des morts. Néo ! Néo ! Arrêtez de dire ce que vous prenez dans la tête, parce que pour le moment, elle est toujours sur vos épaules. Attendez, Amy ! Viens, votre terreux, viens ! Alors, vous en faites la tête, hein. Sur ce, à plus, je vous quitte. Bon, 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 bon. Ah ouais, allez, à plus. Candidat suivant. Désolée, j'ai pas eu le temps de me changer, mais c'est pas grave. Approche, Rania. Qu'est-ce qui te prend, Nihel? Il me prend que tout le monde sait que Rania est le chouchou de Raïs et qu'elle a même pas besoin de parler. Elle a déjà son bac. Bon, ça suffit. Mais oh, c'est même pas vrai. Tu arrêtes tout de suite. Ok, tu penses que ça va être un mal cheveu alors. Bon, c'est Rania, as-tu de n'avoir que toi pour vigiler? Oui, Rania. Si mon cher Dieu, je suis né, vous savez. Mais tu joues avec moi dans cette pièce. Ah ouais? Excusez. Alors dis-nous, quelle pièce classique nous proposes-tu? J'ai choisi de vous présenter la pièce de Donjon de Molière. Pourquoi ce choix? J'ai voulu démontrer toute la sensibilité de la femme et la douceur de l'homme. Elle part bien, cette petite. Pourquoi elle te donne un rétablissement déjà? Seulement répéter, menace sur ses professeurs. Qu'est-ce qui se passe? On parle de moi, vous dites quoi? Des insanités, c'est ça? Mais non, on continue. Donc voici Donjon, acte 4, scène 6. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde m'a été si cher que vous. J'ai laissé mon devoir pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Et la seule récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de moi, ou pour l'amour de vous. Encore une fois, Donjon, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est capable de vous toucher. Cœur de tigre, je m'en vais après ce discours, me va à tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard, demeurez ici. Non, Donjon, ne retenez pas davantage. Si, ça me ferait plaisir de demeurer. Non, vous dis, je n'ai pas tant de discussions superflues. Laissez-moi tout m'en aller. Ne faites aucune instance pour me conduire et songez seulement à profiter de mon avis. Vous voyez donc bien toute la sensibilité de cette belle vie. On reprend, c'est 7. C'est bien que j'ai encore senti
pour elle, que son habit négligé, son air languissant, réveillant en moi quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont eu aucun effet sur vous? Vite à souper! Fort bien, fort bien! Garnaret, vous songez à s'amender. Oui, da! Oui, encore 20 ans dans cette vie, nous sommes pour un autre. Oh! Prends des yeux. Bien, voilà le souper. Ma foi, monsieur, je voudrais voir si votre cuisinier n'a fait pas trop de sel ou trop de poivre. Oui, oui, Arima, mets-toi là et mange. Tu as faim, ce que je vois. Je le crois bien, monsieur. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Tâtez de cela, voilà qui est le meilleur du monde. Mon assiette, tout doux, s'il vous plaît. Petit compère que vous êtes habile à donner des assiettes nettes. Et vous, petit la violette, que vous savez présenter à boire. Wow, la plus longue insulte de ma vie. Mais tu fais quoi, toi, là, des postures propres? Je nettoie, que tout soit propre pour toi, Rania. N'importe quoi, on reprend. Qui peut frapper de cette sorte? Qui diable vient nous troubler dans notre repas? Je veux souper en repos, moi, et qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Qu'est-ce donc? Qui a-t-il? Le... qui est là? C'est Amy! Non! Bon, ce n'est pas grave, il reste de la clip. Mais vous allez me payer! C'est quoi ça? Tu vas me ouais, payer? Ouais, tu vas me payer! Ouais, payer. Ouais, payer. Ouais, payer. Ouais, payer. Arrêtez-moi! Bon. Bon. C'est bon. C'était la belle extrait. C'était parfait, oui. C'était parfait, Rania. Candidat suivant. C'est pourquoi vous deux? Écoute-moi, j'écoute. Voilà, si ça fait trop bon, t'as compris un truc, je pensais pas que t'allais comprendre aussi. Franchement, chapeau. S'il te plaît, Amy, assieds-toi. Je crois que je vais t'attendre. Oui. Carmen, écoute-toi. La directrice, bonjour Raïs. Et moi je peux, c'est juste que Amy, c'est trop long à dire. Bon, Amy! Quoi? Ça va bien, ça va bien, tout le monde, ça va? Yep. Et pourquoi? Mikas, je tiens à rappeler aux membres du jury leur impartialité. Je m'en fous. Calme. Je peux commencer? Non, attends, c'est jamais que tu m'énerves moins. Bon, ne l'écoute pas, sérieusement, commence. Comme je suis timide et que les mots ne me viennent pas forcément, j'ai donc choisi de vous présenter la scène du bal pour dans Cyrano de Bergerac. Cyrano souffle des mots d'amour à Christian vers la belle Roxane. Dis-moi, Mira, c'est moi qui joue dans cette pièce. Samy, c'est la troisième fois que je te le répète. Toi, c'est Christian. Christian. Moi, Christian. Oui. Et j'entends. Samy, tu faisais quoi pendant la répétition? Je fumais la moquette. C'est vrai. Quoi donc? Celui-là a été ramené pour trafic de drogue. Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Et bon, ça promet, hein. Hé, Léo, t'es trop bien, mon père. Cet amour m'étouffait au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle, ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Tiens, mais c'est bien mieux. De sorte qu'il strangula sans rien, les deux serpents orgueil et doute. Tiens, c'est mieux, mais pourquoi parlez-vous de façon créative? Auriez-vous la goutte à l'imaginative? Ça va finir sur Facebook! Non, mais c'est vrai! Non, mais c'est vrai!
aujourd'hui vos mots sont hésitants. Pourquoi donc? C'est qu'il fait nuit dans cet endroit, tâton. Il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur que je le reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous l'aurez petit. D'ailleurs, vous m'offrez descendre. Les miens montent, madame, il en faut plus de temps. Ouais, je m'attends ça. Alors,
J'ai écrit un texte. Enfin bon, l'auteur en a écrit un parce que moi et les mots, ça fait un et demi. Deux. Ouais, bon. Oui, moi et les mots, ça fait deux, la preuve. Donc, bon courage pour comprendre son délire parce que c'est du monde de littéraire. Et franchement, je sais pas ce qu'il avait fumé quand il a écrit ça, mais ça devait être de la bonne, hein, franchement. C'est de la bonne, Samy, c'est lui de pro, d'ailleurs. Ah, t'es là, hein. Ouais. Tu fais le tour. Bon, alors, oui, donc le texte, il est juste là. Par contre, je vous préviens, il faut bien comprendre. C'est bon, je le... Alors, vu que nous jouons des pièces classiques, j'avais besoin d'inspiration. Je me suis donc baladé. J'avais beau marcher... Beau marcher. Je ne trouvais rien. En plus, j'avais mal aux dents. Au mollet. Molière. Puis un chat est passé. C'est un chat qui expire. Bon, je tente de l'attraper. Je l'attrape. Je le rostant. Rostant. Bon, les autres, fidez-vous parce qu'ils sont ridicules dans ces tenues, hein. Je confirme. On est prêts. Bah, après, je vais vous composer de la fermière. L'infirmière, ah oui. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, il y a une infirmière. Mais bon, normalement, il n'y a pas d'infirmière. Mais bon, ne pétez pas la tête avec des détails, hein, parce que là. Bon, je voudrais rester ma condition, je vous la donne à Franquès. La dernière Franquès, ça me va. Alors, 3, 2, 1, action! Allez, venez, vous asseoir, faites-le.